Ouais, ce genre de mot dans un trauma center, ça annonce jamais rien de bon. Hey, get up. Another day in paradise. I'd like to get some sun soon. So, doctors, how are you doing? Couldn't be better, thanks. I'm not trying to make small talk, it's a serious question. What? Let me see your eyes. All right, these three are clean. What have you got in store for us now? Oh, nothing special. Just another operation. Stigma again. Mais ce qu'il vient de vérifier, c'est flippant. Parce que jusque-là, le stigma n'a jamais été contagieux. Là, il vient de vérifier si on avait été infecté. Found yourself a new lab rat, huh? Hardly. You can blame Mother Nature for this one. Is that what you tell yourself? Hey, we didn't plan this one. He was infected by the other patient. What? Stigma est devenu contagieux. That's impossible. Stigma can't be contracted that way. Like I said before, I'm not here to answer questions. Ouais. Ah ouais. Ça y est, on en arrive au point où le stigma vient de muter et est donc capable d'être contagieux. But the boss and the director will be observing the operation. So make sure you don't disappoint them. Doctor. It seems stigma's more dangerous than we thought. Ouais, c'est fini le moment où le stigma, c'était juste un petit agent pathogène, un petit peu étrange, qu'il valait mieux prendre avec des pincettes avant de décider s'il était dangereux ou pas. Non, non, maintenant là ça déconne plus. Le stigma devient contagieux. This way, boss. Hey, you look just like you did on TV. What's up, Doc? The name's Kidman. I run the show around here. You're in charge here? Are either of you doctors? This patient's got the onyx strand. You know the drill, right? Don't fail me if you want to live. Bon bah je crois que je vais pouvoir vous montrer la plus-value de Nyx. You get your kicks? Don't get cocky, Doc. This isn't a game. It's business. Business? And what, pray tell, are you selling? Weapons are worth a fortune on the black market. But you wouldn't know about that, would you, Doc? Stigma is one deadly weapon, especially to the medical industry. So, the best market for it is a war zone. Ouais, là, c'est du genre arme bactériologique, mais pas pour suivre un idéal, c'est juste pour la guerre. Stigma would be the ultimate weapon there. It still needs some fine-tuning, though. It's a clever plan, in theory, but there's no way it'll work. Bon, en tout cas, c'est des personnes qui veulent se servir de stigma de cette manière. Oh, yes, it will. Because I have you guys to help me. Leland, bring in the patient. How about you, Director? Would you like to stay and watch? That won't be necessary. With the skills they've demonstrated, there should be no problem. And the chance of tertiary infection is theoretically zero. You're the creator of Stigma? Professor Wilkins? All right, Leland. Let's get this show on the road. Ouais, c'est reparti. Importante variation des signes vitaux du patient. Élimination d'Onyx requise. This still doesn't make any sense. What's with these readings? However, the variations are definitely greater than they were before. A secondary infection. That means stigma has changed again. We're reenacting that TV show right here. Alors, si vous voulez refaire vraiment l'émission de télé, ce serait plutôt Hops qui pourrait m'envoyer. Watch out for Onyx. Its claws are sharp. I've had enough of your mouth. Just ignore him, Val. I'll save him, no matter what kind of stigma he has. Alors moi ce que je trouve flippant, c'est surtout qu'on ne sait pas comment l'Onyx l'a contaminé. C'est quoi la méthode de transmission? We don't know what will happen. Be careful.
Allez, c'est reparti pour jouer à cache-cache. The Onyx is hiding somewhere. Use the ultrasound to find its shadow. Putain, il est où? The Onyx is attacking. Non, t'es sérieux? Don't forget to suture the lacerations it's made. Putain. Ah! Là. Non mais t'es sérieux? Je venais de le révéler. Ah non, j'ai merdé. Je mérite de mourir. Ah. Ah, on recommence. Ah, j'ai merdé, putain. Ah, bon là c'était sûr que j'allais mourir hein, là. It's a new type of onyx. We don't know what will happen. Mais attendez, déjà je viens de comprendre un truc. J'ai pas besoin de spammer l'ultrason, juste à le balader. Use the ultrasound to find its shadow. Putain. Ah, le seul truc. Don't forget to suture the lacerations it's made. We found it. It's exposed. Inject it with a serum. The serum is still effective. Oh putain. The Onyx has gone into hiding. Its movement patterns haven't changed. We can expect it to start making fake copies of itself. Look carefully and find the real one. Oh putain, il est là. It's going into hiding. Find it. Là. It should only take a little more. Ah, est-ce que là il y a la surprise? La place, c'est reparti, c'est parti. Voilà, comme si c'était pas déjà assez chiant de le trouver. Maintenant en plus, il te masque un petit peu le truc. Enfin, il te fout le bordel en fait dans la. En gros, il te fout des vaisseaux sanguins avec des faux cœurs dedans, en plus des fakes. Did it inject toxins into the bloodstream? The ultrasound is useless if it's like this. Are you saying this is some form of self-defense against us? I can't believe it. The main body must be somewhere. Find it and remove it with a scalpel. Gila. Hop, là ça sert à rien d'utiliser l'ultrason là. We're going to find it and cut it out. 4 coeurs, 4 coeurs, 4 coeurs. Il est là! Putain, je l'ai vu trop tard! Non, putain! Mais non! Putain, la main curatrice qui s'est pas activée! Ah! Onyx, il est chiant! Ah, Onyx, c'est le pire! Cette putain de partie de cache-cache, je supporte pas ça! It's a new type of onyx. We don't know what will happen. Be careful. C'est moi j'ai gardé les couleurs de la main curatrice. Ah non. The onyx is hiding. Oh bah. Inject it with the serum is still effective. The onyx has gone into hiding. Its movement patterns haven't changed. Putain, j'ai dû le louper. Il est où? The onyx is attacking. Don't forget to suture the lacerations it's made. Là. We can expect it to start making fake copies of itself. Look carefully and find the new one. Oh putain, il y a les fakes. Oula. Attendez un instant. Putain. Attendez, parce que là c'est. Attendez, un instant, faut que j'aille foutre une trempe à mon chat. Il y a un écran qui a failli bouger, qui a failli se vautrer là. Ah ouais. Bon, excusez-moi. C'est juste que dans le coin de l'œil, j'ai juste eu le chat qui a sauté sur une chaise, qui a fait voler la chaise, qui l'a fait voler contre un écran et qui a failli se faire péter la gueule à l'écran. Voilà. Bon bah attendez, parce que du coup ça me nique. Hop, on recommence à zéro, allez. Putain, je l'avais trouvé en plus. It's a new type of onyx. We don't know what will happen. Be careful. Ok. The onyx is hiding somewhere. Use the ultrasound to find its shadow. It's exposed.
Inject it with a serum. The serum is still effective. The Onyx has gone into hiding. Its movement patterns have changed. Oh, je suis dessus. S'il te plaît. Ok, il y a les fakes. Putain, on pouvait le voir. Bah, il est là. Alors, je crois qu'il est parti par là. Ouais. Parce que je crois que lorsqu'il se sépare, tu peux essayer de voir à peu près dans quelle direction il se dirige. Ouais, là, t'as le coup des veines. Putain, c'est atroce. Ça. Did it inject toxins into the bloodstream? The ultrasound is useless if it's like this. Are you sick? The main body must be somewhere. Find it and remove it with a scalpel. Là. No matter what it tries, we're going to find it and cut it out. Please let this be it. Oh, ça va, là c'est bien passé. Yes, the Onyx is gone. Ok, ça va, là la partie de cache-cache, je l'ai gagné. Let's close them up. Est-ce qu'il a réussi à attaquer cette fois? Ah oui, parce qu'en plus un truc qui est cool, c'est que lorsqu'il met les veines avec la toxine, ça fait grave chuter les signes vitaux pendant ce temps. Ah non, no joke. Ça provoque les toxines qu'il met à ce moment-là provoquent une rude chute des signes vitaux. If something like this were to be used as a weapon, we need to get back to Caduceus and tell them about this. Ah bah là c'était assez 2.0 quoi. Là littéralement si le stigma va être utilisé comme une arme, c'est une nouvelle TAC. C'est l'héritage de la TAC. Nombre d'attaques de Onyx inférieur à 1, ouais c'est ça. J'ai réussi à ne pas à ce qu'il n'attaque pas. What now, boss? I'll give them a choice. But I doubt they'll join up voluntarily. The three of them are all quite firm. Maybe if they could nah. Only the head honcho would be able to perform such an operation. If they're not willing to cooperate, then we'll wash our hands of them. Eh, c'est parti, échec et mat. Et là, je crois que c'est encore un. Mais j'aime bien, c'est tous les titres, c'est quasiment des titres de défaite, quoi. Dos au mur, échec et mat. Isn't your director here today? Why? Are you worried about him? He was satisfied with the results of the operation, so he returned to the lab. He said no further operations will be necessary. Then I guess you don't need us anymore, huh? Yes. And no. We just need to decide what to do with you. What do you mean? There won't be any more life-saving operations for the time being. But there are some experiments I'd like you to perform on human subjects. I'm curious to see if I can get you to drop the Goody Two-Shoes Act. Will you wield your scalpel in the name of science? Pas au nom de cette science-là. Moi, je dis non. I'd rather die. Ouais, c'est bien trouvé comme... I'm a doctor. Find someone else to do your dirty work. Oh, come on. Is that the best you can do? Well, let's see how long your bravado lasts. Leland, I'll be taking them to their new cell tomorrow. Have it ready. Got it, boss. I'll show you what a mistake it is to let your conscience rule. Val. Elena. Yes? There's something I need to tell you. Okay. C'est le moment jamais après tout. Is it about the choice they gave us? No, it has nothing to do with that. It's more of a confession. Back when I was helping the professor with his research, I made a number of genetically engineered mice for use in experiments. There was something different about one of them. It looked just like the others, but it held a terrible secret inside. You don't mean... It happened while I was operating on the subject's kidney. I was excising a tumor. That's when it came into contact with artificial blood and started growing at a frightening pace. That was the birth
of stigma. Marcus, I can't believe this. Donc, c'est une tumeur particulière en contact avec le sang du sang artificiel qui aurait donné naissance au stigma. I disposed of the subject and proposed that we put a halt to the research. Unleashing a new pathogen into the world in order to study its treatment. Autant qu'il n'existe pas du tout. I argued that that was the wrong way to perform research. Ouais, c'est tu cherches un vaccin, un agent pathogène qui existe toujours, enfin qui existe déjà. Tu vas pas créer l'agent pathogène dans le seul but de savoir comment le soigner. Tu vas pas le créer. Si tu peux empêcher sa création, il n'y a pas besoin de guérir. But the professor wouldn't listen. That's why I volunteered to go to Alaska. I should have just quit. I had no idea you'd follow me there and get dragged into this mess. I was desperate to study your techniques. But I never imagined that that's why you were there. You realize that I may personally be responsible for the advent of stigma? Et donc c'est ça que Marcus cherchait à fuir en allant en Alaska. C'est pour ça qu'il refusait de revenir à Concordia. Et c'est pour ça qu'il se sent si impliqué dans la lutte contre le stigma. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il en savait autant à son sujet? C'est lui qui l'a créé. En tout cas, qui a créé la première souche. If it wasn't for me, none of this would have happened. And you two wouldn't be in this position. But I want you to know. As a doctor, I've always held the highest regard for human life. Don't be so hard on yourself, Marcus. There are still many things we don't know about stigma. We need your help to unlock those secrets. Puis surtout, depuis qu'il l'a créé, le machin a largement le temps d'évoluer. Just so you know, Dr. Vaughn, I'll always be there to assist you no matter what. Thanks. I appreciate it. All right, remove their blindfolds. Water torture is our specialty. Let me tell you, it's a sight to see. Watching our adversaries scream as they get swallowed up by the cold, dark water. Je sens ce truc, c'est atroce. You think you can force us to do your bidding? Just holler if you change your mind. And I'll stop the water. But make no mistake, that'll be the last choice you ever make on your own. Thanks, but I think I'll stick with the original choice. En gros, c'est soit accepter de coopérer, soit mourir noyé. Voilà le choix qu'ils ont. I'd rather die than work for a scumbag like you. You got spunk, Doc. I'll tell you what, I'll do you a favor. When I bury you, I'll put surgical instruments in your coffin. That way, they'll be able to identify the body. Then I'll go ahead and lock him up, boss. Hold on, Leland. Use this. What kind of lock is this, boss? I found it in a toy store. I have no other use for it, so why not give it a try? We'll get a good laugh watching him try to unlock it. Ouais, c'est un putain de jouet qui nous bloque. Verrou bloque la seule issue, résoudre l'énigme pour l'ouvrir. C'est un truc façon bombe de Trauma Center de Second Opinion. C'est un délire de ce genre-là. Planning on taking this nonsense. Et on a deux minutes. He said he found this lock at a toy store. Hmm. Now that you mention it, I remember seeing a commercial for this. Something about connect the four friends and release the lock. Why is he using a toy? What the hell's wrong with this guy? They must think we'll beg for mercy. But if we can unlock this, then we'll have a chance to escape, won't we? Mais par contre, je suis surpris que les gars les surveillent pas. Yeah, but my bet is they don't think we can do it. Well, I'm not gonna let some stupid toy be the thing that makes us drown in here. J'avoue que c'est un peu la honte, ça fait pas classe sur Epitaph. That's the spirit. We can unlock it. Ok, par contre ce truc là j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est un puzzle à comprendre. Et là je m'en souviens plus très bien. Enfin j'ai juste un seul souvenir, c'est que j'ai toujours commencé par la fin. The square panels can be rotated with the forceps.
Parce que alors, si je dis pas de bêtises, hein, en fait, faut connecter ce carré à ce carré, ce rond à ce rond, et cette étoile à cette étoile. Je crois que c'est ça. Ou alors c'est le bleu au bleu. Juste, je sais plus, c'est le bleu au bleu, enfin c'est les couleurs. You said something about connect the four friends. Mais ça, c'est les couleurs ou les formes? What do you mean by friends? The shapes, the colors, something else? Putain, je m'en sens plus. Looks like they've started. Bah écoute, on va voir rapidement c'est les couleurs. It's connected. Please move on to the next one. Ok. Yeah, right. I'm not planning on drowning in here. C'est les couleurs. C'est les couleurs. Crap, I gotta go use the can. Keep an eye on him while I'm gone. Hop, tac, tac, tac. Isn't this pretty hard for a toy? Please hurry. I hear it's pretty popular among college students and adults too. It connected, but is this right? So, he's one of those kinds of people. Quoi, c'est quoi ton problème? Ah ouais, c'est parce que les couleurs s'affrontaient. Alors attends, est-ce que lui du coup peut-être juste faire comme ça? Hop. Please hurry. Bon, attends. Hop. Hop. All right, just one more. Ah vite, je l'ai presque résolu. Hop là! Yes, du premier coup! Wouhou! C'est les couleurs qu'il faut relier, c'est pas les formes, c'est les couleurs. Voilà! T'as 10 secondes. Donc t'en as un qui allait pisser, l'autre qui s'endormit, quoi. Now's our chance. They haven't noticed that we've opened the lock. Then let's get a move on. Ouf. Oh, j'ai failli être niqué sur la fin en haut à droite. Ouais, bon, bonus à tous les coups, les bonus, c'est résoudre en moins, ça en moins de 30 secondes, quoi. Mais bon, faut le connaître par cœur et j'ai pas envie de perdre de temps à ça, là. Where are we? Outside! We're outside! And we're still alive. That's right, we were able to escape. Where are they? Where did they go? Hurry up and find them, all of you! Come on, we have to keep moving. Over there, I see light. Okay, nouveau défi. Est-ce que je m'arrête là ou pas? Ouais, vous savez quoi, c'est le début d'un nouveau chapitre. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment. Voilà, je m'arrête ici pour le moment, étant donné que. Déjà, le drama va être lancé, réunion de crise. Voilà, on vient de découvrir que le stigma est en train d'évoluer, que le stigma est en train de devenir un agent pathogène contagieux. Donc ça va être le bordel. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Let's Play de Trauma Center New Blood jusqu'ici. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à faire un petit tour dans la description de la vidéo dans laquelle vous pouvez trouver le lien du Discord de la chaîne sur lequel j'annonce les sorties des vidéos et sur lequel c'est un espace d'échange, voilà, où toute la communauté peut interagir. Donc venez discuter, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !